C'était un beau match, je pense, des deux équipes. Après, c'est sûr que l'objectif de départ, c'était de prendre 3 points. Mais on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté 2 buts aujourd'hui. Et je pense que dans l'ensemble, il n'y a pas trop de regrets à avoir parce qu'on a bien joué. On montre qu'on est au niveau, même si sincèrement, je vous le dis, l'objectif de départ, c'était de gagner. Voilà, quand on est un peu mitigé. Oui, c'est jamais facile. Le problème qu'on a, c'est qu'on prend des buts à des moments, très mauvais moments, en début de match, et puis on se fait égaliser assez rapidement après notre deuxième but. Donc on a eu pas mal de situations aussi, pas mal d'occasions où on aurait pu mettre soit ce troisième but ou creuser l'écart à 2-1. C'est comme ça, on reste à la lutte, on recolle à Lyon et puis on garde l'avantage sur Monaco. Ça va être serré jusqu'au bout et on est présent, donc faut voir le côté positif. C'est l'impression que ça donne, mais c'est bien, ça va être intéressant pour vous, pour les spectateurs, pour nous. C'est un championnat qui est assez serré entre les trois équipes, donc on verra qui va lâcher en premier. Déjà, non seulement parce qu'on affrontait un concurrent direct, parce que Lyon avait perdu aujourd'hui contre Bordeaux, donc oui, effectivement, c'est dommage. Maintenant, il y a eu pas mal de choses intéressantes ce soir. Il y a eu des choses aussi à gommer. Il ne faut pas oublier qu'en face aussi, il y avait une bonne équipe de Monaco. Il faut voir le bon côté des choses. C'est qu'aujourd'hui, on a repris un point sur Lyon. On est deuxième ex aequo et on avance, on continue d'avancer. Voilà. Merci beaucoup.